Chers amis, vous pardonnerez la casquette, mais il s'agissait de ne pas faire peur aux enfants. Allez, Vargas, qui va allonger le ballon sur la tête de la borde. Le ballon qui est monté à la lutte. Mollet qui a pu gagner son duel et décaler maintenant Ristić, qui a un petit peu de champ. Ristić, côté gauche. Il a débordé, il a levé la tête. Le centre de Ristić pour la bombe. L'ouverture du score va gagner la bombe. L'ouverture du score va gagner la bombe sur ce superbe centre de Ristić. 0-0 entre Montpellier et l'AS Monaco. Et le ballon dans les pieds de Pedro Mendes. Avec Chotard. Chotard qui va longer. Badiachile qui intercepte. Qui glisse. Et la borde qui est récupérée. Avec Mollet qui a un petit peu de champ. Mollet qui va fixer le calme du qui est entré dans la surface de l'opération. Il a pu décaler la borde. Qui remet à Mollet. Ouais, Florent Mollet. Florent Mollet. Qui ouvre le score. Le ballon dans les pieds de Saint-Rémy. Montpellier, l'AS Saint-Etienne. Sambia le bon 1-2 avec Jordan Ferry, c'est bien joué. Sambia qui va s'arracher, il va centrer, superbe centre, Dinamore. La tête est grande dans Dinamore. Qui t'a ouvert le score et battre Stéphane Ruffier à la 25e minute. Le Montpellier qui ouvre la marque. Les amis, on joue toujours la 61e minute à la Mosson. Une longue ouverture de Vargas au milieu pour une tête de la borde. Allez, Mollet, on se bat pour la récupération qui écarte sur le côté gauche. Allez, Mihail au milieu du terrain. Mihail Ristić sur le côté gauche qui va lever la tête et qui va faire un bon centre pour la tête de la borde. Et le but! Et la tête des croisés qui va battre 2-0 pour Montpellier. C'est magnifique à la 61e minute de jeu. Allez, la 31e minute à la Mosson. On va repartir de derrière les hommes de Der Zakarian qui ont décidé de construire. Allez, Mendes pour Chotard. Chotard au milieu qui écarte pour Badiachile qui intercepte. Badiachile qui glisse, la borde qui intercepte le ballon. Il y a du champ côté droit, il y a du champ dans l'axe, allez Mollet. Mollet qui a du champ sur sa droite avec qui a vu la borde qui va repiquer. Il est tout seul, une balle piquée au centre, Mollet, la but. Mollet qui enfonce ce ballon dans les mains, but pour Montpellier, 1-0. Allez, Savagnier au milieu, qui lève la tête, il a du champ sur sa gauche, il a du champ sur sa droite, il est seul pour le Talek. Le Talek, ce qui joue toujours sur sa droite, est Sambia. 1-2 avec Ferry, c'est magnifique, le couloir s'ouvre. Allez, génial, rapide que toi, on n'a pas vu de centre, bon centre mes aïeux, un bon centre pour la tête d'Ami de l'Origui, va le garder. 1-0 pour Montpellier. Stéphane Ruffier complètement battu sur cette tête des croisés d'Andy Delors. Grâce à ce pénalty de TJ Savagnier il y a de cela moins de 5 minutes et pourquoi pas marquer assez rapidement ce deuxième but pour les Payadins. Ouh, la déviation de la tête de Flo Mollet, c'est bien joué à destination de Ristić. Ristić sur le côté gauche qui va pouvoir centrer, voilà qui est fait, Gaëtan Laborde. Oh, le but, le but, le deuxième but Montpellier, Gaëtan Laborde, cette tête croisée hors de portée de Matsels. 2-0 pour Montpellier, là voilà l'estocade marquée en 5 minutes chrono. Ça fait 2-0 ici à la Mosson pour nos Montpellier, comme l'accoutumé en ce mois d'octobre. Octobre rose, en tout cas il vise la passe de 4 à domicile. Et Montpellier pressé très haut par les Monégasques. Oui, là encore, l'interception de Badiachile, il a visé et ça profite à ce diable de Laborde. Laborde et le ballon dans les pieds de Florent Mollet qui décale Laborde côté droit. Laborde le centre pour Mollet, 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 le but, Mollet, Mollet, l'ouverture du score face à Monaco, 1-0 face à Monaco, incroyable et monumental, et fantastiquissime, ça fait 1-0, le but de Florent Mollet à la Mosson à la demi-heure de jeu, Montpellier 1, Monaco 0. À la Mosson, on n'est pas l'amical club Pelote et compagnie, mais bel et bien donc à la Mosson et Montpellier reçoit les Verts depuis 25 minutes. Et toujours 0-0. Oh, le jeu en une touche de balle là entre Sambia et Ferry le long de la ligne de touche. Allez Junior, on est avec toi, le centre tendu. Oui, oui, Delors, Delors. Le centre tendu de Junior Sambia et c'est le but. Le but pour Montpellier. L'ouverture du score, 1-0 pour Montpellier. La tête de Delors, croisé qui bat Ruffier. Ça fait 1-0 ici à la Mosson. 1-0 pour Montpellier. Part de derrière côté Payana avec le jeune Vargas qui dégage dans le rond central pour la tête de Laborde. Laborde pour la tête de Mollet qui remise instantanément pour Ristić. Il a un boulevard devant lui. Il s'enfonce dans la moitié de terrain quand même. Montpellier rentre dans la surface nîmoise. Il sort. But. Laborde au four en moulet. Il remise de la tête et il conclut de la tête. C'est magnifique. Avec sa défense, on essaie de reconstruire côté montpelliérain. Avec Mendes côté droit qui remet si je ne me trompe pas pour Chotard. Chotard qui dégage, attention, c'est contré par Amondigas. Mais Laborde surgit à 2000 à l'heure. Il la remet pour Mollet. Laborde qui part côté droit. Mollet qui fixe sa défense, qui lui remet à l'entrée droite de la surface de réparation. Monégas, le centre de Laborde.
la tête de Mollet. Ils ont enrhumé eux de la défense monégasque. Et Montpellier ouvre logiquement le score à la Mousson. 1-0. Alors qu'on se crie au milieu du terrain, côté Payadem, on écarte au niveau de la ligne médiane, côté droit, pour Mendes. Mendes qui lance sans bien. Sans bien qu'il joue le 1-2. Sans bien qu'il prend une vitesse son vis-à-vis. Il s'arrache, il est collé à la ligne de touche. Il sent au corner. Goal! Quel but de Delors! Il arrive à lancer comme dans son scénic. Il place une tête imparable grâce à la détermination et la combativité qu'on connaît à Junior aujourd'hui. C'est magnifique. C'est une action à montrer dans toutes les écoles barcelonaises. Voilà, mais on est où? On est où? On est à la Mosson. On est comme nous, on est à Bordeaux. Non, on est bien à Montpellier. C'est une action incroyable. Et je peux vous dire que le jour où vous verrez ni marquer un but comme ça, les poules auront des dents. C'est incroyable! Et la balle se trouve actuellement dans les pieds de Vargas, qui relance au niveau du rond central. Laborde qui se bat, oui, tant bien que mal. Suivi de Mollet, c'est bien, belle déviation vers Rikic. Rikic qui déborde. Lève la tête, mon gamin. Tu l'as vu, il y a Mollet, il y a Laborde. Tous à l'abordage. But de Laborde. Montpellier, domination, conquête, enthousiasme. Allez, petit, va falloir construire de bien bas. Rulli qui trouve Mendes. Mendes, calmement, qui transmet à Chotard. Chotard l'a vu, il le met loin devant. Ah, c'est récupéré par Monégasque, mais il finit par glisser. Laborde qui récupère la balle, qui la transmet à Mollet. Mollet qui repique en direction de l'axe central du 18 mètres, mais qui la met un peu long pour Laborde. Mais Laborde qui arrive à la rétablir. Mollet, tête de piqué, qui vient battre le compte, notre ancien gardien. Et oui, bonhomme, fallait rester à Montpellier. Allez, cette partie de Montpellier sont dans l'axe central avec Savanier. Savanier qui tergiverse un temps soit peu, mais qui finit par donner la balle directement sur la droite et par Souquet Oyongo. 1-2, formidable avec Ferry. Ferry Oyongo qui dépasse la pointe de vitesse. Une fusée pour une autre fusée pour Delors. Tête croisée, but de Montpellier. Oui, mesdames et messieurs, nous les avons mis au pas. Jeu de main, jeu de payadin, jeu de pied. Jeu de Montpellier. Et c'est tout. Et voilà, l'histoire, elle est dite.